Eugène Ionesco. Eugène Ionesco est un auteur franco-roumain. C'est un auteur du XXe siècle qui appartient au courant littéraire du théâtre de l'absurde. Il est né le 26 novembre 1909 et il est mort le 28 mars 1994. Ionesco est né en Roumanie. Son père était roumain et sa mère était française. En 1913, la famille déménage à Paris et c'est alors que l'écrivain apprend le français avec sa mère. En 1928, il décide de partir en Hongrie et d'étudier le français à Bucarest. En 1970, il fait son entrée à l'Académie française, cette institution qui a pour devoir de préserver la langue française. L'auteur est connu pour ses pièces de théâtre comme La cantatrice chauve en 1950 ou encore Rhinocéros en 1959. En plus de sa célébrité, l'auteur remporte plusieurs prix littéraires comme le prix littérature Pierre de Monaco, la médaille de Monaco, le Grand Prix national du théâtre et le Grand Prix autrichien de la littérature européenne.